suite. Une pomme, essayez. Je pars. Oh my god. Moi, je suis toujours en retard à l'école. Je sais pas pourquoi. Ah, mais ils sont tous là. Hey, salut tout le monde. Et salut, Emily. Ça va, Emily? Viens, Marine, en classe. Emily, ne fais pas attention à ces filles. Ça va? C'est peut-être parce qu'il y a... C'est ça? Salut les filles. Bon, gigot. Salut. Ok, Emily, ils sont tous en cours. Pour l'instant, la prof n'est pas là. Allez, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Je n'arrive pas à parler à Hugo, voilà, c'est tout. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Bon, vas-y. La prof va s'énerver, viens. La pauvre Emily. Il faut l'aider. Attends, Emily, tu sais quoi? Assieds-toi à côté de lui. Quoi? Non! Bah si! Personne ne regarde en plus. Vas-y, assieds-toi à côté de lui. Allez, c'est le premier pas. Voilà. Et moi, je suis toute seule devant, c'est pas grave. Et surtout, Emily, ne rougis pas. Ok, Emily? Oh, c'est trop tard. Ok. Bon, bah, je sais pas comment on va commencer cette première étape d'annoncer à Hugo qu'Emily l'aime. Ça va être dur. Alors, Lucie et Marine, franchement, ce sont les filles bizarres de la classe. Ah, prendre les cours. C'est pas ce que je préfère. Toujours la même chose. Ça devient ennuyant. Oh my god, Hugo. Tu as dit quelque chose, Emily? Non, non, c'est pas moi. Oh là là, ma pauvre Emily. Et dire que c'est ma meilleure amie? Et elle a du mal à parler à Hugo. Mais quoi? Tu n'arrives pas à parler à Hugo encore? Mais c'est pas possible, Emily! Chut, il va t'entendre. Et alors, c'est ça le but? Si tu veux, je lui dis que tu l'aimes. Non, surtout pas. Bah alors, comment tu vas faire? T'as une idée peut-être? En plus, il m'a l'air vraiment très très cool. Oui, il me considère comme un ami. Bah, c'est l'occasion de lui dire que tu as des sentiments pour lui. Non. Oh là là. Emily. Bah comment on va faire du coup? J'ai aucune idée. Laisse-moi réfléchir. J'ai toujours un plan d'habitude. Donc là aussi, quelque chose qui pourrait t'aider. Oh, j'ai une idée. Comme quoi? Lui écrire une lettre d'amour. Bien sûr, mais à la fin, tu lui donnes juste un petit signe. Tu ne signes pas, en fait, parce que si tu signes, bah, il va savoir que c'est toi. Non? Comme ça, il va avoir des doutes, mais il faut que tu lui donnes des indices, par exemple. Je sais pas, ton ruban sur les cheveux, peut-être. Je sais pas, j'ai aucune idée. Alors, tu l'aimes bien, cette idée? Pas mal. J'accepte d'écrire une lettre d'amour. Bah voilà, ça y est. Bon, bah vas-y, viens. On prépare tout ça. Allez, c'est parti. En plus, c'est le seul garçon de la classe et tu ne lui écris pas de lettres. Alors voilà, ici c'est bon. Personne ne nous regarde, surtout Lucie et Marine. Elles sont très loin d'ici. Donc c'est parti. Vas-y. J'écris quoi? Non mais Emily, c'est pas moi qui va te dire quoi écrire. Tu peux quand même lui dire que tu as des sentiments, que tu l'aimes bien. Hugo, je peux pas vivre sans toi, je sais pas moi. Ok, quoi d'autre? Emily, tu sais quoi? Viens ici. On y va dans une salle de classe. Voilà, viens ici, assieds-toi et écris tranquillement cette lettre, d'accord? Et bon courage, il ne faut pas que je t'aide beaucoup parce que là, il va se douter que c'est moi qui l'aime et non toi. Alors vas-y, ok? Ok, mais comment? Non, 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 je ne t'aide plus. Allez, c'est parti. Bon, moi je vais aller rejoindre Hugo pour lui dire ce qu'il en pense d'Emily. Hugo, tu ne fais plus d'instruments? T'aimes bien? Ouais, c'est pas mal. Tu joues bien? En même temps, t'aimes bien les cours de musique, n'est-ce pas? Ouais, j'adore ça. Plus tard, je veux créer un groupe. Bah, bonne chance. En tout cas, je pense que tu vas réussir. Surtout que tu es passionné, donc tu vas y arriver. Sinon, je voulais te demander un truc. Tu en penses quoi d'Emily? Enfin, c'est juste pour demander, hein, rien de plus, hein. Juste par curiosité, hein? C'est une amie et une camarade de classe, comme toi. Pourquoi? Hein? Ah non, non, juste comme ça en fait. Bon, je te laisse. Je pense que Emily a fini d'écrire sa lettre d'amour. C'est parti. Emily!
Ça y est, t'as fini ou pas? Gros bisous. Voilà. Ça y est, t'as fini? Oui, avec ma plus belle écriture. Fais voir ça. Ouais, c'est vrai, t'as fait des efforts. C'est pas mal, parce que toi et ton écriture, hein, c'est pas top top. Ok, bon bah vas-y alors, vas-y. Du coup, tu sais, tu fais quoi? Tu vas mettre cette lettre dans son casier. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que sinon, tu veux qu'il t'aime, mais sans qu'il s'en rende compte que c'est toi. Donc, le truc le plus simple, c'est de mettre dans son casier. Et tu ne veux, je parie, même pas la donner en main propre, n'est-ce pas, Émilie? C'est vrai? Tu me connais trop? Oui, surtout toi, tout le monde te connaît. Tu es timide, tu n'arrives pas à faire le premier pas. Mais bon, je suis là pour t'aider. Allez, c'est parti. Go, direction le casier d'Hugo. Il est où déjà son casier? Allez, vas-y. Mais Miss, la clé! Oh, c'est vrai? J'ai oublié qu'on avait besoin d'une clé. Oh non! Bon, tu sais quoi? Reste ici. Ben non, en fait, je vais pas demander à Hugo. Hugo, s'il te plaît, tu peux me prêter ta clé, juste comme ça? Il va me dire non. Bah, il faut faire quoi là, du coup? Attends, je sais quoi faire. Écoute-moi bien, d'accord? C'est beau? Non, pas du tout. Ah, ok, je peux faire mieux, tu as raison. Elles sont bizarres aujourd'hui. Qui ça? Personne. Pff. Ah, ok. Bon, Émilie, c'est bon. Y'a Hugo. C'est qui dépose la lettre? Toi ou moi dans son casier? Toi, bien sûr. Ok, vas-y, donne-la-moi la lettre, vite. Et toi, tu lui parles. C'est bon? Non, c'est toi qui lui parles. Bah, tu déposes la lettre dans son casier, c'est bon? Oui, vas-y. Ok, du coup, c'est parti. Hugo! Hugo, tu peux venir, s'il te plaît? C'est vraiment urgent. Oui, quoi? En fait, je voulais te demander un truc. T'as vu les devoirs de maths? Ils sont un petit peu compliqués, tu pourrais pas m'aider un petit peu? Ouais, quand tu veux. Ok, bon, bah, l'année prochaine, non, je pense pas. Quand est-ce que tu peux m'aider? Attends, laisse-moi réfléchir. Émilie, tu peux me dire si c'est bon? Les devoirs de maths, tu vois? Est-ce que c'est bon de travailler avec Hugo? Dis-moi si c'est bon. Oui, c'est bon avec un grand B. Ah, merci beaucoup, tu me soulages. Ok, vous êtes bizarre aujourd'hui. Alors, Émilie, c'est bon? T'as tout bien fait? Oui, je stresse, mais hâte de voir sa réaction. Bah vas-y, tu sais quoi, on va sortir, parce que là, il fait très chaud ici et j'ai besoin de prendre de l'air. Bah viens, tu lui as donné rendez-vous? Alors, tu lui as donné rendez-vous ici? Ah ok, c'est quand même loin du lycée. Ok, bon bah, on patiente, c'est ça? Elles sont parties, ces imbéciles. Hugo, viens. Oui, Lucie? Je pense que je vais m'évanouir. Apporte de l'eau, s'il te plaît. Oh, ok. Ça va? Oui, de l'eau, please. Signé, cool. Signé, Lucie. Moi. Waouh, ma lettre d'amour. Tiens, Lucie. Merci. Ça va mieux, Hugo. À plus. Je confirme, elles sont toutes bizarres ici. Tiens, une lettre? Pour moi? Oh my god, c'est Lucie! Elle écrit trop bien! C'est trop mignon! Lucie, c'est toi?
Oui, Hugo, je suis timide pour te le dire en face. Ils sont ensemble ? Émilie, c'est trop bizarre, il n'est toujours pas venu, Hugo. Il est où, Hugo ? Bah, je sais pas, tu lui avais dit à quelle heure ? Parce que là, la nuit tombe, hein. Oui, ça fait 25 minutes qu'on attend. Bah alors, où est le problème ? Pourquoi il vient pas ? Je t'aime aussi. Attends, quoi ? Je rêve ? C'est Hugo et... Lucie ? Mais non ! C'est une blague ! Oh my god ! Mais j'arrive pas à croire. Émilie, est-ce que tu avais signé la lettre ? Non, pas vraiment. Oh non, ça veut dire que Lucie a pris ta place. Émilie, qu'est-ce qu'on fait ? On la laisse comme ça ? C'est ça ? Ou tu veux que je parle à Hugo ? Non, laisse. Ma pauvre, ton cœur est brisé. C'est pas bon, j'ai trop envie de parler à Hugo. Surtout à Lucie. Émilie, ne pleure pas. Tout va bien se passer. Pauvre Émilie. Oui, Hugo. Lucie est une menteuse. La lettre, c'est Émilie qui te l'a écrite. Quoi ? Menteuse, tu joues avec les sentiments ? Non. Bien fait. Parle à Émilie, s'il te plaît. À demain. Qu'est-ce que tu fais ici, Marine ? Va voir ta copine. Vous allez bien ensemble. Je suis désolée. Ah ! Hugo ? Hugo ? Tu n'es pas avec Lucie ? Non. C'est pour toi, Émilie. Oh my god ! Merci ! De rien, merci à toi. Waouh, je suis choquée. Mais ça finit bien. Trop cool. Oui, Miss. Bon bah, bravo à toi, Émilie. Et ça y est, tu es avec Hugo. Et merci à toi aussi, Marine. Et bien fait pour Lucie. Tu le mérites. Ça t'apprendra. Moi, j'ai tout de suite préparé et toi, t'as pris trop de temps. Non, mais Marine... Non, mais Émilie, c'est pas moi qui va te dire quoi écrire. C'est toi qui poses la lettre ou c'est moi? Pourquoi elle a une bouche comme ça, elle?